Termir, l'Institut de recherche sur les maladies infectieuses. Alexandria Hypatia, alchimiste en chef. C'est un ancien solarium pour aristocrates capricieux et hypochondriaques. Il a été reconverti en laboratoire de recherche alchimique. Le tueur de la couronne sème la mort en mon nom, mais plus pour longtemps. On dit que le docteur Hypatia est brillante. Mais si elle est impliquée dans cette affaire, elle paiera pour ses crimes. Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test de Dishonored 2 sur PlayStation 4. Édité par Arkane Studio, développé par Bethesda Softworks, sorti officiel le 11 novembre 2016. Brillante note de 18 sur 20 comme son prédécesseur et Peggy nous le déconseille au moins de 18. Et j'entends déjà des pas. Alors, que je vous parle brièvement, bon là... Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez faire des attaques discrètes dans le dos de vos adversaires ou utiliser différents pouvoirs pour parvenir à vos fins. Nous incarnons Emily Caldway, fille de Jessamine Caldway, impératrice décédée dans Dishonored 1, et entraînée par son père Corvo Atano, le garde royal. Alors là, hop, attaque domino. Qui a fonctionné. Donc l'attaque domino est une des attaques de Emily Caldway qui lui permet de lier les esprits de différents adversaires et si l'un prend un shot et décède, le deuxième qui est lié crève et nous pouvons lier jusqu'à 4 personnes. Donc voilà, pouvoir différent entre Corvo et Emily. Oui, on peut incarner Corvo dans Dishonored 2, mais on fait exactement le même solo. C'est juste pour les puristes et ceux qui veulent toucher un petit peu la corde sensible en retrouvant la marque de l'Outsider qui permet de nous téléporter un petit peu partout. On peut rejouer donc du coup Corvo, mais croyez-moi, les pouvoirs d'Emily Caldway sont vraiment monstrueux. Je suis en ce moment donc du coup dans le manoir à Adermir, en fait, où est-ce que l'on fait des... petits projets médicaux sur les humains. Et là, il y a une petite discussion en bas, à côté du portail électrique, qui est joint par le condensateur. Et ça, manié avec précaution, ceux qui ont fait le 1 le savent, et ceux qui voient le 2 le découvrent. Du coup, que je vous parle un petit peu, donc voilà, ça se passe toujours dans Dunwall. Ou sinon si la zone de Karnaca, le décor reste à peu près le même, on est toujours dans un style gothique steampunk. Hop, voilà, petit contre direct pour faire une attaque, ça vous tuez directement la personne, je ne vous apprends rien pour ceux qui ont fait le 1. Et toi d'où tu sors? Putain mais je me fais démonter. Ouais, un garde rouge en plus. Eux, ils utilisent les flingues et les épées, tout comme. Les finishim sont toujours aussi gore, c'est super plaisant. Oh, le coup d'un des noisettes, tu m'en diras tant. Non, par contre, après, difficulté super osée. Franchement, comparé au 1, oh là là, qu'est-ce qui est difficile. Mais franchement, là, le 18 sur 20, il le mérite, hein, rien que pour ça. Enfin bon, donc du coup que je vous explique un petit peu, nous incarnons donc du coup Emily Caldway ou Corvo Atano en fonction, dans le début de jeu vous pouvez le choisir. Emily Caldway, fille de Jessamine Caldway, impératrice du coup dans Dishonored 1, qui se fait tuer avec le garde royal qui n'arrive pas à temps, il s'agit de Corvo, celui que l'on incarne dans tout le 1. Faut que j'aille où? Ok, le bureau d'Hypatia. On va aller voir ça. On va appeler l'ascenseur. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc du coup voilà, elle se fait entraîner donc du coup par son père après, une fois que sa mère est décédée. Donc du coup, elle acquiert toute dextérité et maîtrise que Corvo lui enseigne. Elle a des pouvoirs différents de Corvo, vraiment badass, ce qui fait que bon, le solo on doit le faire deux fois avec les deux personnages, et la différence se résume au dialogue, car les deux personnages ont leur propre voix. Et ensuite, non, voilà, après le pouvoir qui. Les pouvoirs qui sont différents au final. Mais tout aussi plaisant à jouer, que ce soit Corvo ou Emily Caldway. Les deux, donc, du coup, reçoivent la marque de l'Outsider, ce mi-ange, mi-démon qui vous donne cette marque au début du 1, le fera aussi dans le 2. Je n'en dis pas plus sur l'Outsider qui est mon personnage préféré, de toute façon, dans la série Dishonored. Il y a du monde là. Ouais. Allez, un petit coup de domino, tu discutes.
Non, du coup, voilà. L'histoire, en fait, donc, je suis du coup dans le manoir d'Adermir. C'est ceux aussi qui produisent du coup ces fameuses solutions Adermir qui vous réaugmentent le pouvoir pour pouvoir. Enfin, votre petite barre bleue qui est matérialisée, c'est votre mana et la vie qui est l'arc de cercle rouge sur le côté gauche. Du coup, voilà. En fait, on essaie de remonter jusqu'à cette personne qui a voulu usurper le trône d'Émilie, car apparemment l'impératrice Jessamine avait une sœur cachée qui réclame son droit au trône. Les deux protagonistes se trouvent séparés. Selon celui qu'on choisit, l'autre se fait pétrifier. Il faudra du coup que l'on sauve le deuxième protagoniste et remonter en tuant toutes les personnes capables de nous donner des informations pour remonter à cette usurpatrice qui se prénomme Delilah. Quelqu'un qui se fait surnommer le tueur de la couronne assassine tous les ennemis de Caldwe quand elle était sur le trône. Et c'est ainsi que du coup les soupçons pèsent du coup sur Émilie. Vu que bon, ses ennemis meurent, on la soupçonne elle forcément, pourtant c'est quelqu'un qui manipule tout ça. Qu'est-ce qu'il voulait faire lui ? Enfin bref. Donc du coup voilà, elle élimine le tueur de la couronne, élimine les ennemis d'Emily Caldwe pour lui faire porter le chapeau. Voilà, conspiration. Bref, voilà, tout ce que l'on peut trouver qui s'apparente à un pouvoir pseudo-féodal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire davantage ? Quand on incarne Corvo, ça c'est aussi ce qui est super et qui rejoint la difficulté, vous pouvez refuser la marque de l'Outsider car elle vous est retirée par Delilah au tout début du jeu. Et vous pouvez donc du coup choisir de faire le jeu sans la marque et à ce moment-là, un nouveau mode de difficulté apparaît. Donc vous pouvez le faire en très difficile sans aucun pouvoir, ça c'est plutôt sympa aussi. Les marchands de contrebande sont toujours présents, Ah, j'avais bien vu un pendu. Vous pouvez améliorer vos armes, trouver des plans, racheter des balles. Donc du coup, après que je vous montre les pouvoirs, donc là voilà, ce sont les pouvoirs qui sont différents par rapport à ceux de Corvo. Elle a la longue portée, le domino comme je vous ai montré, et en bas ce sont des passifs, plus de vie, enfin plus de force, des coups plus rapides. Le cœur présent dans le 1 qui vous permettait de trouver des runes d'os vont pouvoir du coup vous ajouter des passifs. Donc je vais essayer de vous en trouver un, comme ça je pourrai vous montrer directement. La porte ne s'ouvre pas, je suis en train de me faire démonter par ces mouches de sang, c'est une horreur. Non, par contre, après, franchement, il est vachement beau, on va pas se le cacher, mais ça fait vraiment plaisir de voir un Sonore 2, quoi. Nous, les joueurs Sony, on avait eu affaire au 1 sur PlayStation 3, ressorti à la demande de Bethesda sur PlayStation 4 en remastered HD. C'est plutôt pas mal. Donc un charme d'os à 8 mètres, c'est plutôt cool. Bah, en plus, c'est là qu'il faut passer. Du coup, je vais pouvoir vous montrer. Donc, quand vous le trouver, voilà, vous en avez 5 en fait, vous pouvez vous en équiper de 5 et 5 autres peuvent être débloqués en gagnant de l'expérience. Vous voyez donc du coup les passifs que Sang Amer vous donne, cible déroutante, ok. Et ensuite voilà, vous avez aussi des charmes d'os qui sont cassés, donc ça vous offre des bonus mais aussi des malus. Moi je ne préfère pas les mettre, mais après bon. Laisser des bleus pour pas avoir de malus. Mais après voilà, vous faites votre propre passif, vous créez votre style de jeu, vous créez votre propre personnage, celui qui s'approche à qui a le plus de familiarité avec votre style de jeu. Je suis arrivé. Le jeu est très plaisant. Comptez environ pour ceux qui veulent vraiment chercher toutes les runes, faire le jeu à fond, une bonne vingtaine d'heures. Vous êtes un de mes patients. Désolée. Je devrais le savoir. Je suis là pour vous poser une question. Ce masque, c'est une maladie qui... Ne touche pas. Les pathologies qu'on traite ici sont plus répandues qu'on aimerait le croire. Je ne viens pas me faire soigner. Je recherche Anton Sokolov. Sokolov ? Oui. Il est resté un peu ici. Mais elle l'a emmené pour aller voir Kirin Jindosh. Vous entendez ça ?
Et le tueur de la couronne? Elle est maboule. Le tueur de la couronne? C'est un nom inventé par les journaux. Mais je peux pas... Ah oui, les meurtres. J'étais à Dunwall pour étudier les maladies qui touchent les chasseurs de baleines. Est-ce qu'on m'a appelé? C'est dégueulasse. Ma mémoire me trompe. Le tueur de la couronne est un cas intéressant. Je suis presque sûre que je pourrais l'aider. Mais pourquoi tu me donnes ça? Je sais du bon travail et maintenant je perds la mémoire. Mais qui m'appelle? Excusez-moi. Bon, le docteur Hypatia n'est pas très très en forme. Enfin bref, ce qui est bien, c'est un pari réussi pour Bethesda qui a ajouté donc du coup une voix pour leur protagoniste, que ce soit Corvo ou Emily. C'est plutôt bien, donc du coup pas de clipping, pas de motion mouth capture à faire vu qu'on ne voit pas le visage, c'est du FPS. Ah, des carreaux. Encore un charme d'os. Qu'est-ce que ça donne? Hop. Ah putain, encore un malus bonus. Ouais, c'est pour les projectiles, ok. Ouais, mais autant le bonus est intéressant, mais autant vous voyez comme le malus est... Enfin, je sais pas, enfin, d'avoir... Autant ça fait plus de dégâts, autant la zone est réduite. Je sais pas, moi, quitte à acheter un explosif, autant que ça couvre une AOE assez importante, quoi. Enfin, je trouve ça logique. C'est pour ça, enfin, le bonus est intéressant, mais le malus, l'est tout autant dans le sens négatif du terme. Salut toi. Est-ce que ça va aller? C'est le docteur Hypatia. C'est le tueur de la couronne. Mais elle n'est plus elle-même. Elle a conçu un sérum pour aider les mineurs. La première version a horriblement perverti son esprit. Ah, pour moi, c'est trop tard. Mais vous... Vous pouvez peut-être encore la sauver. C'est quelqu'un de bien. Que puis-je faire? Dans mon coffre, dans la salle des malades, vous trouverez comment préparer l'antidote. Aidez-la. Le code du coffre est 704. Pitié, le pauvre. Oula. Bon, ben ok. Le tueur de la couronne, c'était le docteur avec qui on parlait. Et elle a pas l'air... Si, elle a peut-être l'air plus en forme. Enfin, ça dépend de quel point de vue on se place. Alors, donc du coup, deux choix, sauf à moi. Hop, reviens ici, salope. Ok, elle est au-dessus. Ouais, alors, ou je peux aller dans le coffre faire un antidote, ou l'exécuter. Donc, on va pas essayer de se faire voir. Voilà, donc du coup, il faut que j'aille ou trouver le vaccin, ou l'assassiner. Bon, non, on va la tuer, hein. Oh putain, mais elle était là en plus. Oh, aïe aïe aïe. Ok, alors hop, on va prendre le... Dégage. Hop. Putain, elle met des coups de tête à reculons et tout. Bim. Bim. Oh. Oh. Allez, tiens, mange. Ça t'apprendra. Ah, purée. Bon. Donc voilà le principe de Dishonored en fait. Tuer tous ces mini-boss entre guillemets pour remonter jusqu'à Delilah et du coup prouver qu'il s'agissait d'une réelle conspiration vu que tout le peuple croit que Delilah est l'héritière légitime du coup après Jessamine pour le trône de Dunwall. Faut aller vers la sortie. Bon, et ben voilà. Un stage avec un boss de fée, ça c'est plutôt sympa, au moins ça vous montre ce qu'il en retourne pour le jeu. Allez, bon, de toute façon, en bas, je pense avoir tout dégommé, malheureusement. Après, sachez que c'est un jeu qui peut être terminé sans tuer personne. Et je dis bien personne. Vous avez toujours un choix pour les renverser politiquement parlant, ou pour, du coup, les ramener à la raison, comme un antidote. Oula, je voulais faire un domino, mais en fait, je crois qu'il est seul, le type. Est-ce que je l'entends? Enfin, des fois on les entend parler, mais des fois ou ils parlent seuls, ou c'est une conversation. Enfin, allez hop, viens là. Oh. Allez. Tape-moi. Oh, cette feinte. Oh, mais j'ai d'apprendre à me feinter. Oh, le bâtard. Vous avez vu, c'est fait exprès pour que vous puissiez mettre votre garde. Comme ça, une fois la garde relâchée, il vous frappe.
Quelle bande de... Oh, les enfoirés. Alors, c'est par là-bas. Ouh, bordel, je me suis fait repérer. Ah, j'avais oublié que ce mirador... Putain. Les miradors, c'est vrai que ça peut repérer. Oui, enfin, vous allez me dire. Captain Obvious, merci. Bon, je me suis pas fait trop repérer non plus, je pense. Ouais, si. Ouais, il sait que je suis là. Non, me dites pas qu'il y en a un qui arrive là. J'entends des... Oh putain. Ah. Hop. Yep. Allez, viens là, viens là. Voilà, quitte à ce que je me fasse repérer autant. Voilà. Bon. Maintenant... Ouais. Oui, ils ont l'air de bien m'en vouloir. Ok. Bon, comment avancer vers eux tranquillement? Parce que la porte est barricadée. Je vois des planches sur le... sur la porte. Sinon, ils seraient arrivés pour m'éclater depuis bien longtemps. Non, franchement, le jeu est tout aussi prenant. Hein. Franchement, c'est vraiment cool. Alors, je vais me mettre là. Comme ça, je vais pouvoir les rejoindre. Allez, viens là. Aïe, oh, je perds la vie. Oh, putain, non. Oh, je me suis bloqué. Ah, j'y arrive pas. Merde, je perds trop de vie pour pouvoir faire une action. Putain, je me suis remis de la vie et elle est morte. Putain, je me suis bloqué entre le tuyau de canalisation et le haut du portail qui avait des pointes. Alors, est-ce que c'est un bug? Je sais pas. Parce que si c'est un bug, autant ça me ferait plaisir du coup de le montrer carrément dans une vidéo pour montrer que le jeu n'est pas aussi parfait qu'on peut le prétendre. Mais putain, si c'est que ça aussi, bon, en même temps, avoir un pouvoir pareil qui vous permet d'aller n'importe où, faut pas s'étonner après que la texture joue un petit peu contre nous. Ouais. Voilà ce que mon père m'a appris. Oh putain, je redémarre là. Ouais, bon, allez, on va se dépêcher du coup. Oh, parce qu'en plus, je suis sûr que c'était la fin, quoi. Enfin, généralement, quand on flingue un boss, on n'a plus qu'à aller. Qu'à revenir au bateau, quoi. Oh, damn. Allez, on va se dépêcher. Non, mais vraiment, après. Voilà, le jeu parle de lui-même. À proprement, il est beau. Le cel shading est particulièrement réussi. Le côté steampunk gothique qui caractérise Dishonored est tout aussi extra. On va pas perdre de temps avec lui. Toi, tu m'as feinté la première fois. C'est moi qui te la mets pour la deuxième fois. Voilà, à savoir que, tout objet, tout item que vous avez pick auparavant sera à nouveau donné. Vous vous retrouvez avec la même barre de vie, mana. Enfin, vous vous retrouvez comme si c'était un dernier point de sauvegarde, quoi. Bon, le mirador, il a fini de m'éclairer, là. Comme ça, au moins, je vais pouvoir finir les deux rapidement. Voilà, allez, parfait. On va se mettre, donc, du coup, un petit coup de domino sur les deux. Comme ça, une pierre de coup. Et de 1. Allez. Ah, j'ai pas visé là. Ah, si, je l'avais enlevé, en fait. Voilà, le domino est fait. J'ai pas cette porte avec mon flingue. Je vais mettre là. Allez, on sort le flingue, on s'aligne bien. Bim. Parfait. C'est génial. Bon. Allez, bon, le mirador, on va aller le désactiver. Hop. Allez, hop. Allez, on va jeter ça. Oh, oh, oh putain, ça va, je suis pas mort. Putain, mais comment ça se fait? Eh, ça rejoint un petit peu le bug, faut pas non plus... Enfin, je sais pas. On dirait qu'il y avait eu un mur invisible, je pensais pourtant avoir bien visé le bas. Enfin, visé le large. Le bateau arrive. Bon, tant mieux, je m'en suis sorti, c'est le principal. Toi, je vais te dégommer, tu seras mon dernier kill. Et on va finir cette mission. Putain, t'en veux des coups, toi. Vous avez vu, il garde la marque de l'épée. Je l'avais tranché au niveau du front, vous avez vu, c'est vraiment stylé, ça. Système de hit sur les personnages, les dégâts restent, c'est plutôt cool. Allez Foster, récupère-moi. On peut partir. Même pas, c'est pour moi. Quand vous voulez. Allez, allons-y. Bon, et ben du coup, je vais m'arrêter là. Sur ce, j'espère que mon test de Dishonored 2 sur Play 4 vous aura plu. Sur ce, du coup, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à ciao tout le monde. Non, mais j'ai tué Hypatia. Pardon ? C'était elle, le tueur de la couronne.
Le duc s'est arrangé pour qu'elle s'injecte une version corrompue de son propre sérum, qu'il a transformé sans même qu'elle en ait conscience. Dénommé Kirin Jindosh. Vous le connaissez ? Tout le monde le connaît. C'est l'inventeur en chef de Sarkonos. Alors c'est lui le prochain.